vie. À cette chaîne de vie. À la vie. All right, et à ce qu'il a pine. Tac. Merde, mon frangin. Où? Viens à l'entrée. Il a dû devenir. T'es fou, s'il me voit ici, il va m'emmerder. Mais non, il va s'en jeter avec nous, vas-y, appelle-le. Dit-il qu'il se ramène ici. Bon, là, je vous présente Gérard et son escorte. Vous apprécierez le contact. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu bois un verre avec eux? Tu traînes dans les cafés, toi, maintenant. Allez hop, tu rentres à la maison tout de suite. Ouais, c'est bon, là, on fait rien de mal, on boit juste un verre. Toi, le Romano, tu fermes ta gueule. Pourquoi il m'appelle le Romano, lui? C'est ça, tes amis? Non, mais c'est ça, tes amis? Allez, qu'ils aillent se laver, là. Allez, tu rentres. Il parle mal, ton frère, hein. Dis donc, bah, du coup, j'ai l'impression que t'as un problème, là. Quoi? Ouais, j'ai la sensation que t'hésites entre te laisser pousser les jambes ou t'acheter une jupe. Quoi? C'est ambigu, non? Je te situe pas, là. Et ton escorte? C'est ton label de virilité? Non, mais dis-nous qu'on sache, quoi. Quoi? C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Ça fait des mots? Pétasse, va. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu veux que je te donne ta mère? Toi, mon pote? Et arrêtez vos conneries! Merde, Gérard, tu m'emmerdes! Pauvre con, hein. Vous faites deux beaux connards, attends, hein. Attends, calme-toi, il m'a cherché, lui. C'est vrai, quoi. T'es tranquille. Hé! Hey, achète une jupe.